qui arrive très vite. Sur la droite, oui, Dimaco va marquer. Il est marqué. But de Jacques Dimaco et la France mène 2-0. Mais la passe de Didier Sick était vraiment superbe. On a l'impression que Didier allait s'engager et regardez. On a l'impression qu'il va s'engager. Il donne vraiment un très très bon ballon à Jacques Dimaco. 2-0 pour les Français. Inspiré, moi en tout cas j'ai des souvenirs quand j'étais jeune en Nouvelle-Calédonie de l'avoir vu donc bien sûr faire ses exploits donc que ce soit avec Bastia sur les matchs de Coupe d'Europe puis après j'ai eu la chance ici donc oui de le rencontrer, de jouer contre lui, j'étais tout jeune. Ouais, un souvenir marquant, la première fois que je vois Jacques, voilà, on est face à face et moi je joue latéral droit et lui il est ailier gauche, voilà. C'est un Bastia Nantes. Coco Ciodo, il voulait tester déjà mon mental, voir si j'étais capable de, ouais, d'aller aller mettre des coups un peu au grand frère. Là. Et ça a été un cadeau empoisonné, mais voilà. Donc, mais il a été toujours très bienveillant, il m'a accompagné. Voilà. Après, par la suite, on a gardé des contacts, on a toujours eu l'occasion de discuter. Quand je jouais donc, avec les clubs différents, même entraîneur, il venait me voir à l'hôtel, on partageait des temps ensemble. C'est une grande perte pour le football calédonien, bien sûr, mais moi, c'était un proche. Ouais. Bah, en fait, Jacques Dimaco, moi, c'est évidemment plus de la génération d'Antoine, mais c'est vrai que, oui, en étant joueur de Gaïcha, on ne parlait que de lui ou de Marc Agnan. Et véritablement, oui, c'était... un des premiers à revêtir le maillot bleu aussi, et de par ses dribbles, qui a fait que le zigzag, on essayait d'essayer de faire comme lui. C'est-à-dire qu'il fallait essayer de dribbler gauche-droite. Il y en avait qu'un. Oui, et donc, oui, Jacques, moi, quand je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a quelque part accueilli à Bastia, parce que j'ai joué à Bastia. Et il était sur place, et il m'a accueilli. Et véritablement, oui, c'est une icône. Donc. C'est un intouchable. Et voilà, mon esprit est là. C'est pour ça que quand je suis à Nantes, j'ai vécu à Nantes, j'ai joué avec Nantes, mais les Verts, c'était quelque chose. Parce que de Jacques Dimaco, justement, les Verts, Manu France. Avec Platini. Oui, avec Michel Platini et tant d'autres. Donc, j'avais les Panini des Verts. Je veux dire, je regardais pas Nantes, je regardais les Verts. Après. Platini, prêt à replier. Relais avec Larios. Platini et Battiston qui attend le dernier moment, qui a bien vu Dimaco. Et Dimaco file le long de la touche. Brûle la politesse. Jacobs cherche quelqu'un au centre, lève la tête, il ne voit personne. Et il tire tout simplement du pied gauche. Le réalisateur est surpris, c'est un but d'acrobate. Signé Jacques Dimaco. Famille, les familles, c'est à peu près les clans, quoi. Mon père, c'est l'oncle de papa Dimaco, on était, enfin c'est la famille, c'est la tribu. Les fous, surtout à Diolou, on joue beaucoup au foot. La plupart de nos papas et grands-pères jouent au foot. Et on a suivi les chemins. Et puis après, moi j'ai accueilli Jacques à 72 à Bastia. Parce que je venais en vacances ici et puis son père il m'a dit il faut que tu l'amènes à lui, à ton neveu avec toi à Bastia parce qu'il commence à traîner. Puis voilà comment j'ai pris un billet à Jacques à Bastia
Et puis voilà, je l'ai fait venir. Il est resté à Bastia, quoi. Il a tout de suite, comme c'est un bon joueur, tout de suite, il a tapé dans l'œil des dirigeants de Bastia, puis ils l'ont fait signer une licence. Moi, j'étais déjà là-bas à Bastia, j'étais installé et tout. J'étais marié avec une Corse, donc c'était bien d'accueillir Jacques parce qu'il y avait de la famille, quoi. Bon, Jacques, c'est un, comment on dit, c'est un feu follet. Techniquement, il était très bon, mais en plus de ça, il est rapide. Et quand il a le ballon, il va tout seul. Il a comment on appelle ça, techniquement, il était très bon. Et il allait vite aussi. C'était le chouchou du pays parce que les footballeurs, c'est comme ça. On a eu Antoine Comboiré, Christian Carambeu, puis il y a eu Jacques Zimaco et puis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus derrière. Il y a Ossou Pierre, mon père et Michael. Et moi, j'ai bien aimé parce que, comme on dit les vieux, ils nous ont suivis. On a leur chemin et puis eux, ils ont suivi. Ce but de la 13e minute réussi par Marc Verdol, Zimaco. Zimaco. Faute de Marius Trésor sur Zimaco, un garçon très talentueux. Ce sont des personnages qui a marqué à leur époque, mais surtout une fierté de la tribu et de la chefferie de Gaïcha. Donc, mon papa Marc et Jacques, ce sont, comme dans nos jargons à la tribu, on dit, ils ont déboursé la route pour trouver quelque chose de meilleur pour les jeunes. Et Jacques, il était l'un des. Le grand frère qui a, après Marc, qui a justement déboursé ce terrain-là pour que les générations plus tard puissent y aller, en tout cas pour aller s'exprimer en métropole au niveau du football. Nous, on est nés dans cette dynamique-là. Quand Jacques, après Marc, on les a vus à la télé, à la radio, à l'époque. Et donc ça faisait la fierté, mais c'est surtout aussi l'exemple. Et puis comme on aimait bien jouer au foot, ben c'était nos référents, quoi. Partout où on jouait, ben on pouvait porter le nom de Jacques Zimaco et tout. Et c'était une grande fierté. Dans le jargon du football à l'époque, c'était notre repère, quoi, au niveau du pays. À l'époque, avec Saint-Étienne et tout, quand on a bien connu Jacques Zimaco avec Saint-Étienne et tout, ben c'était quelqu'un de la famille de Djourou, en tout cas, pour dire que c'est notre idole, c'est notre frère, avant tout. Et c'est quelqu'un qui a montré le chemin de la réussite, en tout cas professionnelle, des footballeurs calédoniens. À la 31e minute de la deuxième mi-temps. Premier but Platini, deuxième but Zimaco. Michel Hidalgo a bien fait, alors que nous revoyons ce but superbe. Jacques, c'était un Calédonien, c'est-à-dire c'est quelqu'un relativement cool, discret, et voilà, toujours le sourire, et ça c'est ce que je garderai de lui, quoi. C'était un gars sympa, quoi. Ouais. C'était un joueur qui avait la qualité, c'était la vitesse et capacité d'accélérer, il avait les doubles accélérations. J'ai déjà dit que sur le plan technique, la chance qu'il a eue, c'est de jouer avec Michel Platini à Saint-Étienne, qui était voilà, un passeur hors pair, quoi. Donc, oui, donc il était extrêmement virevoltant et voilà, il était rapide sans en donner l'air, quoi. Hein. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui et gagner les Jeux du Pacifique à Nouméa en 87. Et le souvenir que je garderai de lui, c'est sa simplicité et ce grand footballeur qui nous a marqué. Pour nous et pour les générations futures, il est un exemple